Salut à toi gamer et salut à toi gameuse, c'est Revilo19 et aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 de la Blood Uprising et on est tout de suite parti. Sans plus tarder, on va commencer à la 5ème place. On va retrouver Blood June, il est sur BO2 sur Vertigo en FFA avec son Ballista. Il va commencer par tuer un ennemi, il va se diriger vers le centre de la map, il va continuer par tuer encore une fois un deuxième ennemi. Un troisième, il va se retourner, un quatrième, on sait pas d'où il sort, mais bon, il est là. Le cinquième, le sixième pour la quad on screen en FFA, ce qui fait 6 ennemis très rapidement. Bravo à toi, GG. À la quatrième place, on va retrouver Blood Jetty. Il est sur BO1, sur Summit avec son L96A1. Il va commencer par faire un petit headshot. Et là, je sais pas, il a dû prendre de la potion magique, je sais pas ce qui s'est passé. Il va nous faire un truc monstrueux. Voilà, il a enchaîné 2 ennemis. Le troisième et le quatrième pour la quad on screen kill cam. Sur BO1, OL96, vraiment bravo à toi, c'était une très belle quad feed, très rapidement, et je sais pas, il était motivé, là, il était chaud. Bravo à toi, très beau clip. Allez, ça rigole plus là, et là on rentre dans le top 3, et à la troisième place, on va retrouver Blood Rogues, qui est sur Red, sur BO2, avec son DSR, et monsieur, en R&D, bah, il va tenter tout simplement un suicide shot. Voilà. Et bien sûr, il va le mettre. Hein. Donc, suicide shot assez impressionnant. On va regarder ça un peu au ralenti. Donc voilà, il fait un peu n'importe quoi avec son fusil à pompe. Il fait 2-3-6. Et le noscope, un suicide shot qui passe au DSR. Normal. À la deuxième place, on va retrouver Blood NGTI, et là c'est assez impressionnant, il est sur BO2, sur Uplink, avec son Ballista, il va commencer par faire une collate, normal, la petite single, une autre single pour la quad on screen Ballista, il va switcher au XPR, et il va remettre la quad on screen, c'est assez impressionnant, il se fait flasher, il va revenir au Ballista, et vous allez voir qu'il va faire quand même la triple on screen, il est à deux doigts de remettre la quad, ce qui fait qu'il a mis deux fois la quad feed en très peu de temps. Bravo à toi, très beau clip. Et à la première place, on va retrouver Blood Lucky, qui est, bah ça fait plaisir, il est sur MW2, avec son intervention sur Estat, et vous allez voir qu'il va nous faire un trick shot assez original et assez impressionnant, un tag shot. Et voilà, c'est assez what the fuck, il a fait n'importe quoi avec son intervention, et c'est rentré. En noscope, bien sûr, il fait des 3-6, je sais pas, tire l'arigot, à vous de compter si vous avez envie, et un noscope qui passe normal, donc bravo à toi, c'était un trick shot assez impressionnant. Voilà les amis, donc le top 5 de la Blood Uprising, c'est déjà terminé. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un like, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je remercie la Blood de m'avoir permis de commenter ceci. En tout cas, j'espère que mon commentaire vous aura plu. Moi, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine. C'était Revilo19. Allez, bye tout le monde.